Tiffen. T'as vu les chiffres d'hier? Ouais. Une tuerie, on a tout démonté, tout démonté. Je suis très content de toi. Très content de toi. Par contre, juste un petit détail, qui fait les questions des Bogdanov? Excusez-moi, c'est pour qui l'expresso? J'ai pu en prendre qu'un seul. Non mais on a rarement atteint un niveau aussi affligeant, quoi. C'est vu et archi-revu. C'est un festival de clichés d'une pauvreté hallucinante. Non, à tout casser, c'est Oui et Martine au pays des bisounours, quoi. Angoulême, Brest, Strasbourg, Nice... Hello. Aurillac. Ça dérange pas? Non, pas du tout. Je viens pour le logo. Ah bon? Écoute, je t'ai préparé un petit truc pour l'alerte pollen, tu vas voir. Il y a zéro style, il y a zéro parti pris. J'ai pris un ton sépia. Un rythme à se flinguer. Un peu pop art. Je parle même pas de la syntaxe, hein. Il y a des queues partout. Que j'ai enrobé dans un triptyque néoclassique à la façon Bacon. C'est sûrement lié à l'orientation sexuelle de l'auteur, j'en sais rien. Bacon comme le cochon? Assieds-toi quand même. Ça se passe bien? Le stage, oui. Oui, les gens sont sympas avec toi? Oui. Les journalistes aussi? Oui. J'en ai marre de tous ces machos à la rédaction. Ils respectent rien. Ni mon travail, ni ma fibre. Putain, c'est quoi cette merde? T'as pissé dedans, quoi? Toujours est-il qu'il n'y a rien à sauver. Non, c'est de la littérature de pucelles de province, sale et pauvre. Moi aussi, j'ai une part de féminité. Bon, allez. Coquine. Je te laisse. Salut. Ciao. Ciao. Bon, visiblement, ça vous a plu, Patrick. On va être obligé de faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après la pub. Coupé. C'est vrai que t'es pas mal, la petite coquine. Si j'étais pas toi, je te ferais faire un tour de grand roue. C'est à moi que tu parles, la bombasse? C'est à moi que tu parles, la bombasse? Tu me parles à moi, tu regardes mon body, t'aimes bien, hein? Vas-y. Juste avant que je parte, excusez-moi, j'en profite rapidement. Est-ce que vous pouvez me signer ma convention de stage pour que j'ai mon passe Navigo? Salut. Salut avec Nico, j'ai suivi tous tes conseils, c'était génial. Ah super, je suis contente. Ton passe Navigo? Oui. Oui, regarde-moi bien. Oui. Tu m'as vu avec une veste verte? Non. Non? Non. Tu m'as vu avec une banane autour de la taille? Non. Non plus? Une casquette sur la tête peut-être? Non. Non plus? Conclusion? Non. Il m'emmenait chez lui. Bon, je vais pas te faire un dessin, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas que sa langue qui est de bois. Putain, il y en a qui ont de la chance, hein. Bon, et toi, tes amours, comment ça va? Oh, maman chérie, c'est compliqué, c'est super compliqué. Oh, mais ça viendra. Avec un petit cul comme le tien, je me fais pas de soucis. Je m'en branle de tes problèmes de métro, putain. Hé, t'as vu mes bas? Ah, tu m'as fatigué, dégage. C'est sexe, hein? Dégage. Ça, c'est sexe, hein, c'est sûr. Ouais, ta gueule, allez. Ah, attends, fais voir, montre. Toi aussi qui dépasse. Merci. Ben voilà, faut demander aux copines. Ok, j'y penserai. Putain de stagiaire, bordel de merde. Par contre... Dis-moi. Fais gaffe, hein. Je crois que t'as oublié ton stylo dans la poche. J'ai senti un truc. S'il fuit, t'es mal, hein. C'est vrai que s'il fuit là, j'aurais l'air con. Conne, pardon, excuse-moi. Bon, allez. Tantôt. Tiens, prends ça. Tu peux pas me faire ça, Patrick. Bon. C'est pas possible. Pourquoi? Ça va, c'est juste... Et tu as lu le bouquin en main? Bah oui, enfin, j'ai lu... En fait, j'ai lu la moitié, j'ai sauté des pages, ça me tombait des mains. Mais tu me prends pour un con, quoi. C'est-à-dire tu as lu la moitié en sautant des pages, ça fait quoi? Ça fait un tiers? Mais putain, mais il est pas sorti le bouquin encore, il sort la semaine prochaine! Putain, franchement, Patrick, je t'aime bien, mais des fois, tu me fatigues. Je ne comprendrai jamais cette psychologie de petit fonctionnaire de gauche.